Où est-ce que tu vas, papa? Mais je vais pêcher pour le petit déjeuner. Est-ce que je peux venir moi aussi? Je suis pas fatiguée. Non, 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 Pablo. Tu n'es pas encore prêt pour pêcher comme un grand. Oh, maman. La prochaine fois, peut-être. Encore raté, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah. Oh là là! Décidément! Il m'a mordu, celui-là. Ça va pas? Pablo, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être en train de dormir. Je sais pas. Bon, bah, puisque tu es là, profitons-en. Je vais t'apprendre quelques trucs pour pêcher. Oh, merci, papa. Regarde comment il faut faire. Oh, oh zut! Oh, décidément, je n'ai pas de chance aujourd'hui. Aïe! 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 Eh bien, voilà une façon de pêcher très originale. Mais tu pourrais pas le refaire. Moi, je parie que si. Tu vas voir. On dirait que ça marche. Pablo! Tiens bon! Tiens bon, mon fils! Pablo, réveille-toi! Quoi? J'ai pêché deux poissons. Et moi, j'ai pêché un petit renard. Vite, prends ton poisson et rentrons. Non. Arrête de bouger! Attends ici. Salut, Pa! C'est quoi le petit-déj? Je meurs de faim! Oh! Oh! Mais où est le petit-déj? Où est Pablo? Il a disparu pendant qu'on dormait. Je suis là. C'est Pablo et le petit-déj. Pablo, je me suis fait du souci pour toi. Je t'avais dit de ne pas suivre ton père et mais toi, ne t'inquiète pas, Rose, Pablo ne recommencera plus. J'en ai profité pour lui apprendre quelques trucs de pêche. Et tu vois, j'ai peur qu'il soit déjà meilleur que moi.